s'inscrit pas forcément dans les idées spécifiquement du Hirak, même si voilà, c'est plutôt une militante indépendantiste kabyle. Elle est en prison aujourd'hui. Elle a été arrêtée par la SABA. Elle est en mandat de dépôt. C'est l'une des rares. Donc voilà, nous sommes très inquiets pour elle. Elle s'appelle Wissam la Kabyle. Elle n'est pas... personne n'en parle, donc c'est un petit peu... C'est encore plus inquiétant. Wissam la Kabyle, ne l'oubliez pas. Elle a été arrêtée il y a à peu près 15 jours. Elle est en mandat de dépôt. Personne ne parle d'elle. Il y a également d'autres indépendantistes qui ont été arrêtés. Ils sont 12, bien sûr. Il y a Jamal Azaïm et d'autres. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura un rassemblement le 13, place Stalingrad. Si vous voulez venir, justement, on va parler de toutes ces choses-là. Et soyez nombreux. Le 10, on a également appelé à une grève générale en Kabylie. Et si les autres suivent, les autres régions suivent, c'est tant mieux. On a le même ennemi. Je vous salue avec amitié. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Mais pensez qu'il y a d'autres gens qui pensent différemment et qui sont persécutés. Je pense aux chrétiens kabyles, dont on a fermé les églises. Je pense aux indépendantistes qu'on traite véritablement comme des terroristes en Kabylie. On arrête les femmes juste parce qu'elles veulent être kabyles. Voilà, merci messieurs, dames. Vraiment, Jiraoun Talouin. Alors je réponds à notre ami. Oui, 2 secondes, je te donne la parole.